Bon, bon, c'est coupé au montage, hein, bien sûr. Donc voilà, j'en étais à. Il me demande quoi? Oui, donc j'ai pas encore. J'active pas le mode du Nuzlocke tant que j'ai pas battu notre chère Flora. J'ai l'appelé Fiora, mais c'est pas le même jeu du tout. Bon, ça aurait été drôle de pouvoir l'appeler Fiora. Alors, ah bah d'accord, je tombe déjà sur un Roucarnage niveau 2. Je sais plus c'est quoi. Ah, Lumiqueux, c'est pas une attaque qui. Merde, j'ai fait Lumiqueux comme un con. Putain de petit. Je crois que ça augmente les stats. Alors, attaque spéciale. Ouh, putain. Eh, il a masse d'os. D'accord. Je crois que c'est spécial. Je sais pas du tout si c'est physique. Faut que je regarde. J'ai pas regardé ses stats d'ailleurs. Alors, pour résumer, il a déjà la cascade. Oh, c'est pas mal, ça bloque tous les coups critiques, c'est pas trop mal. Alors, nature malpolie. Donc, hop. La nature malpolie. Malpolie. Alors, malpolie. Il a une augmente en défense spéciale et une baisse en attaque. Ah, une baisse en vitesse, pardon. Bon, bon c'est pas trop grave. Au moins, il a une augmentation de défense spéciale. Il a. Ah non, c'est vrai que je peux toujours pas courir. Bon, c'est pas trop mal pour un premier Pokémon. Donc, on va parler à lui. Je sais qu'il nous donne une potion. Voilà, il nous montre comment acheter des. Des objets. C'est le Pokéshop. Alors, putain, mais je vais pas tarder à me coucher, moi, je crois. Alors, j'espère que l'éclairage est pas trop sale parce que la lumière vient de derrière moi. Faudra me le dire, sinon je peux me mettre une lumière face à moi. Mais le problème, c'est que dans ces cas-là, je le vois pas du tout. Très bien. Non, mais c'est une grosse blague. Ok. Entai. Entei, pardon. Entai, c'est pas la même chose. Putain, il a Danseflamme. Why? Ah putain. Ça se trouve, il a que Danseflamme aussi. Hein. Donc après. Si je me trompe pas, le Pokémon de Flora est niveau 8. Donc je vais un peu entraîner mon Krabby. Ça risque d'être un peu. Ouais, oh putain. Bon, je vais speed up le Blindélice. Le Blindalis qui a tous les coups n'a pas armure, hein, ça. Enfin, en gros, je vous explique parce que je sais comment ça se passe. Quand vous avez un Pokémon qui apparaît dans une zone, après avoir eu les Pokéballs, faut impérativement capturer le premier. Mais le problème, c'est que, bah. Si on le capture pas, on peut plus. Il est shiny. On peut plus capturer du tout après, donc. Ça, non. En fait, c'est. Oh, Marest. J'adore Marest. Oh, il a soin, sérieusement? Dommage. J'aurais eu des Pokéballs, j'aurais capturé un Marest avec soin. Bon, je vous tape le passage un peu chiant de. Hop, hop. De toute façon, je couperai au montage les passages les plus relous. Donc. Oh! C'est pas très efficace. Attends, c'est pas très efficace. Le mec, je lui ai enlevé quasiment toute sa vie. Dardarnion. Oh! Donc oui, on a tendance à beaucoup croiser des Pokémon Shiny. Donc, ah bah d'accord. Ah bah non, il est niveau 5. Je croyais qu'ils étaient plus haut niveau que ça. Bah écoutez, hein, cascade. C'est un Grolem. Normalement, il devrait mourir. Normalement. Oui, c'est bon, il est mort. Donc du coup, j'active le mode Nuzlocke à partir de... Quand j'aurai récupéré les Pokéballs auprès du... Du professeur, enfin d'elle en fait, de Flora, après avoir visité le professeur. Bon, ce serait bien que je récupère les bottes, enfin les bottes, les chaussures de course, parce que c'est long. J'appuie sur le mauvais bouton, désolé, je speed up quand il faut pas. Donc, j'espère que bah ça va pour l'instant. Hein. Comme je tournais à mon avis 3-4 épisodes à la suite, bah voilà.
Je ferai des découpages, donc voilà, il va me dire bonjour, oui. Voilà, ouais, il nous dit qu'on l'a battu, il va nous donner notre Pokédex. Voilà, le Pokédex. Et... Oui, voilà, et elle va me donner les Pokéballs. Donc le premier Pokémon que j'ai capturé, c'est pas la zone en bas et en haut de Rosière, si je me trompe pas du nom, le nom. Ce sera là où le mec cherchait ses empreintes au début du jeu. Hop, donc on va accélérer. Ah oui, c'est bon, je récupère mes chaussures, je vais pouvoir enfin arrêter de speed appeler. Oui. Tiens, hop. Oui, mais... Oui, c'est comme si ta mère te disait que oui, il faut appuyer sur un bouton. On n'est pas censé savoir que... Bon, nous, en tant que joueur, oui, mais... Le gamin, il se dit, mais c'est quoi, appuyer sur le bouton... Oh, rien de bizarre. Bon, donc c'est là. La première capture sera le premier Poké. Oh, un Dracos. S'il te plaît, pas de coup critique. Oh, yes. Il a grêlé. What the fuck, il a grêlé. Merde, il s'est tué. Bon, et eh ben, fumble critique, hein, comme on dit, fuck. Je capture à Oh, il a Tauros, putain. Pute. J'aurais bien aimé avoir un Dracos pour avoir un... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Dratak, voilà, j'ai... J'avais un autre nom en tête, mais Dracolos, c'est A. A. La Bomberque. Aïe, s'il te plaît, ne m'empoisonne pas. Parce que si je perds mon Krabi, j'ai perdu. Hein. Genre, voilà, c'est la fin. Vicizi. S'il te plaît, ne m'empoisonne pas. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te Non! Non, et non, et non, et non. Voilà. Parce que je vous explique, j'aurais activé le mode Nuzlocke, j'aurais pas pu. En gros, j'aurais pas pu capturer de Pokémon dans la première et la deuxième zone parce que je les avais déjà visités. Enfin, je crois. Donc voilà. Alors, lui, il a. Ah, oh, un Xatu. Bon, je speed up le début parce que le début c'est toujours long. C'est pas intéressant. Les. Flair. Je suis vachement de type spectre. Si je me trompe pas, Flair fait que un Pokémon normal peut attaquer les types spectre. C'est un peu comme je crois c'est verrouillage ou je sais plus, il y a une autre attaque dans le même genre. Sébastien, Nostanfer. Mais qu'est-ce que vous... Non, c'est une blague. Aïe, il a Balgren, putain. Ah ça va, il m'a touché trois deux fois. Putain, c'est chaud, hein. Alors, les niveaux des Pokémon sont vraiment beaucoup plus élevés. Trancher. Mais non, mais c'est une blague! Oh putain. Ça fait mal. Rip. Putain, j'ai eu de la chance, hein, parce que. Ah. Oui, je risque d'atteindre le niveau 50 avant d'atteindre la première arène. Alors, bon, on va se soigner quand même avec une potion. A été de faire un milliard d'allers-retours au centre Pokémon qui est juste à côté. Donc hop, lui il veut se battre aussi. On est débutants tous les deux. Il va nous sortir un putain de légendaire. On va faire. Ah bon bah. Adieu, rip. Ah non, il a un Caphumain. J'aimais beaucoup Caphumain dans la version or et argent et cristal. En fait, or, argent et cristal, c'est mieux. Parce que deux fois et dans la même phrase, c'est pas faisable. Enfin si, mais c'est moche. Donc, niveau 11. Est-ce qu'il apprend une attaque? Quel niveau il apprend une attaque, lui? C'est même plus comment il évolue. Ouh, par contre, il est Spank, je vais pas kiffer. Krabby, il évolue quand? Regardez. Alors, Krabos. Je crois que c'est le niveau 20 et des brouettes. 28, ouais, voilà. 28, il évolue. Et la première attaque qu'il apprend, c'est au niveau... Niveau... Ah. Ok. Normalement, on aurait déjà dû apprendre deux attaques. Mais bon. Comme c'est des attaques au hasard, peut-être que c'est plus tard. Parce que normalement, il apprend force poigne et gros yeux. Au niveau 9 et au niveau 11.
Niveau 9, il apprend force poigne et niveau 11, il apprend gros yeux. Des baies. On va prendre les baies. Alors moi, je les replante les baies parce que les Pokéblocks, c'est très utile. Surtout pour avoir un Barpo. Enfin, pas un Barpo, un Milobélus pour en faisant évoluer Barpo. Voilà, alors. Il y a des bruits bizarres derrière moi. Ça doit être mes chiens. Moi, j'espère. Attendez. Hop, comme ça, je vois ce qui se passe derrière moi. C'est mieux. Comme ça, je me vois à la caméra avec ma magnifique coupe de cheveux et. Pourquoi ça plante là? Ah, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai cru que le jeu avait planté. Là, j'avais un peu. J'en ai marre que tout plante. Hein. C'est bon. Je peux faire mes trucs tranquilles. L'aventure commence relativement bien, putain. Bon, je vais essayer de capturer un Pokémon dans la zone juste derrière elle. Broabam. Ah, il n'est pas Scarf. Hein? Tu n'es pas comme le Broabam de Sneeze, tu n'es pas Scarf. Repos! Oh, le chien de la casse, il a repos. Et là, il a blabla dodo, je rigole. Repos plus blabla dodo, alors franchement, ça aurait été trop fort. Une fois, j'ai quand même réussi à avoir un Pokémon. Je crois que c'était un Magby qui n'avait que rugissement. Donc, comment vous dire que pour tuer le premier Pokémon, c'était compliqué. Oh, il est stylé. Bon, il est stylé, Stylix. Oui, ouais, il est. Voilà. Cette phrase, voilà. Je commence à avoir des crampes. Suis pas dans une bonne position en fait. Oh, les chouilles! Putain, je vais pouvoir attaquer les Deep Spectre. Bon, j'ai déjà une attaque qui tient qui attaque les types spectres, mais les chouilles, c'est efficace. Contre les types psy aussi, c'est pratique. Potion. Bon, alors, soit je capture un Pokémon là parce que j'en trouve un. Allez. J'espère que vous n'allez pas trop entendre le bruit de mon clavier parce que mon micro est méga sensible. Oh! Nidorino. La pierre lune, on la drop Monselenite, je crois. Merde, je crois que ça va le tuer. Fuck. Et oui, bah, et ben dommage. Ce sera pour une prochaine fois. Bon, blablabla, soigner les Pokémon, blabla, hop là. Alors normalement, faut aller dans l'arène. Putain, ça faisait un truc bizarre. J'avais l'impression qu'il avait des yeux dans le dos, le mec dehors. Alors, blablabla, c'est notre père. Oui, il nous dit qu'on a un Pokémon. Voilà, seul truc, c'est que c'est la cinquième arène. Bon, le blabla de Timmy, on s'en bat les couilles, il va attaquer, il va attraper son Tarsal, tiens, on va voir si l'attaque est random, normalement oui. Alors, Tarsal. Oh, il est shiny en plus. Ah bah non. L'attaque n'est pas. Mais putain, il a je sais pas combien de chances pour choper un Tarsal shiny. Bon, blablabla, le blabla, c'est.